Et dis donc, Internet, cette semaine, j'ai décidé de parler politique. Oh là, les gens. Oh non. Non, mais on veut rire un peu quand même. Eh ben non. Parce que c'est les régionales, je me suis dit, c'est le moment de se taper sur la gueule. Quoi qu'il arrive, quand tu parles politique, t'es jamais d'accord. Y'a jamais un pote avec qui t'as fait « C'est exactement ce que je pense ». Non, et si un mec te dit ça, dans sa tête, c'est « T'es un gros con, en fait ». Qu'on soit bien clair, hein, je veux pas savoir où vous votez. Je m'en bats les couilles. Mais c'est pas une expression, c'est premier degré. Je prends mes testicules et je les tapote, comme ça. Moi, je suis très optimiste dans la vie. Quel que soit le gagnant, je me dis « Allez, allez, il va y arriver !» Et puis deux mois plus tard, tu fais « Ah, il y arrivera pas. » C'est pour ça que les gens se lassent. Imagine, on est tous des femmes, et ton mec te dit qu'il veut des enfants. Et toi, tu veux le croire. Tu dis « Ah oui, un jour, on aura des enfants !» Et à un moment, tu dis « Tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose que la sodomie, quand même ?» Toi. Parce que pour moi, c'est ça, c'est une énorme partouze et tout le monde veut t'enculer. T'as les gros partis qui sont là, ouais. Avec l'autre à côté, oh mais ça fait 5 ans, c'est un autre tour là, non? Et t'as tous les petits partis qui sont autour, eux ils regardent, ils savent qu'ils vont jamais baiser. Ils donnent des conseils, ils font, bah moi je mettrai mon doigt ici. Et le Front National derrière, c'est bientôt à nous. À chaque élection, quand les extrêmes progressent, y'a toujours les mêmes mecs en télé qui disent, les Français nous envoient un message clair. Et que ce soit à droite ou à gauche, toujours la même phrase, les Français nous envoient un message clair, mais t'as l'impression qu'elle est pas finie la phrase. Les Français nous envoient un message clair et on s'en bat les couilles. Et qu'on soit bien d'accord, je vais pas dire que je ferais mieux à leur place, vraiment. On le sait que c'est difficile, mais dites-le nous, bordel. Je rêve d'un jour, un homme politique, il te fait... Ouais, oh, non, là, ça va être chaud, là. Ah bah non, mais alors la crise, Daesh, le climat, le chômage, les retraites... Ah non, on peut pas, là. Ils vous ont dit quoi, les autres? Ils ont dit qu'ils pouvaient. Oh, les bâtards. Ah mais non, mais je peux, moi, hein. Oui, ça y est, je me souviens, je peux. Oui, faut juste que t'enlèves ton pantalon. Mais c'est vrai, on n'est pas sûr à 100% que tous les hommes politiques nous prennent pour des cons. Mais quand même, ils mettent des indices, des fois. Vous savez ce qui passe dimanche soir sur TF1 juste après les élections? Le dîner de cons. Tout est dit. Hey Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les mardis à 18h sur YouTube et toi viens voir mon spectacle en live à Paris et en tournée. Merci pour vous. Ça c'est cool de vous voir, vous avez on a pris l'habitude, on te regarde sur l'écran. Bah c'est mieux parce qu'on a l'impression que t'es plus près, regarde. Et on confirme, t'as un gros nez, hein, vraiment.